J'ai choisi un voyage musical qui va de Bach à aujourd'hui en passant par 4 siècles et chaque siècle est représenté par une œuvre phare. C'est un hommage à Bach, un hommage qui part de Papa Bach pour arriver aujourd'hui et qui montre comment, au cours des siècles, il ne nous a jamais quittés et comment tous les compositeurs se sont totalement inspirés de son œuvre, tant par la forme que par le style, que aussi par le nom. Il y a beaucoup de compositeurs qui ont écrit sur les lettres B-A-C-H. Le disque avec le concerto italien, qui est une œuvre à laquelle je voulais rendre hommage parce que c'est une œuvre très peu jouée en concert, mais que quasiment tous les pianistes, apprentis pianistes, ont dû travailler à un moment. Et donc c'est une œuvre que tout le monde connaît, mais que peu de gens jouent. Et donc c'était l'idée de base. Puis après, nous sommes déjà à l'époque de Liszt, et je voulais montrer comment Bach peut aussi être romantique. Et donc la fantaisie et fugue sur un thème de Bach et sur le nom B-A-C-H. Puis on a un hommage direct qui est la Chaconne, reprise par Busoni, qui est une œuvre où Busoni a cherché à faire ce que Bach voulait faire pour le violon, c'est-à-dire exprimer toutes les possibilités de l'instrument, allant des possibilités rythmiques aux possibilités mélodiques et aux possibilités aussi virtuoses et techniques de l'œuvre.
Je pense que chaque auditeur se fera sa propre définition de ce qu'est l'intemporalité, du message que j'ai voulu transmettre. Chacun y verra des échos, des correspondances, un jeu de miroir. L'idée, c'est d'apporter à l'auditeur un voyage qu'il peut s'approprier. Pour le XXe siècle, j'ai voulu faire un clin d'œil à la musique française avec deux pièces, une valse improvisation sur BACH de Poulenc et un prélude et fugue de Roussel. Roussel, compositeur relativement peu connu, auquel je voulais également rendre cet hommage. Et puis en inviter pour aujourd'hui un petit peu le projet vivant du moment pour cet album, c'est Thomasenko. Et j'ai tenu à ce que ça soit un musicien en dehors du cercle classique à proprement parler, grand jazzman, qui aussi a grandi avec Bach. Et comment il s'est approprié le style de Bach tout en lui rendant hommage et tout en laissant les portes de la musique d'aujourd'hui ouvertes. Avec Bach, on a grandi avec Bach, c'est des œuvres qu'on est obligé, que tout musicien, qu'il se destine à être professionnel ou amateur ou simple humain, entre guillemets, qui sera au contact de la musique au cours de sa vie, on a tous commencé avec Bach. Et donc je pense que c'est une manière de rendre hommage à ce compositeur qui fait partie presque de notre ADN aujourd'hui.